Salut. Ok, salut la team. Alors aujourd'hui nous sommes le 22 mai, mardi 22 mai. Pourquoi je commence un mardi Wolf? Simplement parce qu'on était avec ma famille, on a fait un petit week-end à Amsterdam et on est rentré hier soir. Donc pas possible de faire un Wolf à Amsterdam. Donc c'est parti, on commence en plein milieu de semaine et bon, c'est pas grave. Donc c'est sur 28 jours, donc il y a une séance par jour, même le dimanche, même le samedi, voilà. C'est 0 cheat meal, donc on a 28 jours, 0 écart, voilà. Et bah écoutez, et j'ai aussi un entraînement muscu par jour, donc ça fait 2 entraînements par jour. Bien sûr, j'ai pas envie de perdre du muscle, donc je m'entraîne comme il faut. Et ce qui est bien dans leur entraînement, c'est que tout est pesé, même l'alimentation, ils me disent tout est détaillé, tout est bien détaillé. Franchement, c'est super. Pour l'instant, je suis vraiment content de l'avoir acheté. On verra par la suite. Je vous dirai, je fais un débrief à chaque fin de séance de Wolf. Peut-être pas chaque séance sur 28, ça fera un peu beaucoup. Mais bon, j'essaierai de vous faire à chaque fois un petit débrief de ce que je pense. Il paraît que la première séance c'est la plus dure, la première semaine après ça va. Et façon en fait j'explique, plus les semaines montent et plus l'intensité va monter aussi. Donc voilà, je vous laisse imaginer l'horreur. Ok, donc voilà. Donc moi je sais que je vais bien sécher. Parce que pourquoi? Parce que moi avant, l'été dernier, ce que je faisais moi c'est que je réduisais vraiment l'alimentation. Donc je réduisais les glucides, mais je faisais pas vraiment de cardio, parce que honnêtement ça me saoule. En plus tout seul et tout, j'avais pas envie. Là mon beau-frère m'a proposé. Et puis je dirais que là du coup c'est plus on va dire plus amusant. Que courir dehors, faire des fractionnés tout seul et tout, c'est chiant. Donc moi je sais, je préfère réduire la bouffe. Du coup, bah honnêtement, moi ça va pas être si dur que ça. Je sens vraiment que je suis en manque de glucides. Là je me sens super faible depuis 2 jours, je sais pas ce que j'ai, je me sens faible depuis hier. C'est atroce. Bah. Parce que je sais qu'en sèche c'était vraiment dur parce que je mangeais pas beaucoup, j'étais chiant et tout. Du coup j'ai vraiment décidé cet été de pas faire la même erreur et de du coup faire plus de sport et réduire moins mon alimentation. Voilà, mais si vous voulez pas faire de sport, vous pouvez bien réduire l'alimentation, tout ce qu'il faut. Bien sûr, ça vous le savez, je vais pas vous répéter. Si vous avez pas vu ma vidéo, allez la voir là-haut pour comment perdre du poids. Bon, la team, quand faut y aller, faut y aller. Merci, madame, pour le tapis. C'est parti, t'es chaud? Et il m'a acheté un tapis. Rose en plus, archi viril. C'est parti, on va faire que du ça. Ok, la team, alors deuxième jour de sèche. Alors, débrief. Alors, donc hier, j'ai fait ma séance, donc c'était. Donc du train with me, moi je suis ami Alex. Donc j'ai fait pec, un tout petit peu de dos, un petit rappel dos, pec, dos et bras. Enfin hier j'ai fait juste les triceps, biceps j'avais pas envie de les faire. Voilà, parce que les bras je les fais pas tout le temps. Mais bon c'est vrai qu'en ce moment je les fais plus qu'avant. Bref, et du coup après on est parti direct sur le programme Wolf. Et c'était les jambes. Honnêtement, c'était horrible. Honnêtement ça passe plus vite que ce que je pensais déjà. Ça c'est un bon point déjà parce que sinon ça aurait été chiant. Ça passe assez vite on va dire. Mais c'est quand même assez dur, là j'ai des courbatures. J'ai mal aux fesses à mort. Aux cuisses ça peut aller mais c'est surtout les fesses. En plus hier soir j'ai dû aider une pote à déménager avec Vlad. Du coup on était en d'enlever du papier peint. On a enlevé des trucs par terre. Je saurais même plus vous dire c'était quoi. Bref on a fait beaucoup de choses. On a déplacé des meubles et tout, vraiment. J'ai fait exprès pendant la sèche, voilà. Surtout après le petit truc qu'ils ont mangé dans le grec devant moi après, super. Donc bref, donc là cet après-midi, je vais à la salle, je vais avec Vlad. Je vais aller faire, donc cet après-midi c'est jambes, épaules. Donc je vais faire les jambes sur les courbatures de jambes d'hier. Sans renforcement musculaire, c'est parfait. Et cet après-midi, c'est séance 2 du programme Wolf. Et normalement du coup c'est le haut du corps. C'est obligé, et j'espère. Et du coup voilà, donc je vais vous dire, je vous dirai après l'entraînement. Si c'est le plus dur pour moi, c'est le bas du corps, le haut du corps. Mais moi, je pense que le plus dur pour moi, c'est le bas du corps. Parce que le haut du corps, j'aime bien. J'aime bien travailler le haut du corps en dessous, au poids de corps. Ok, la team, là, c'est parti. Là, je reviens de la salle. J'ai taffé les jambes. C'était dur parce que j'avais encore les courbatures d'hier. Et puis là, on va faire Wolf. Donc, du coup, haut du corps. Vlad, il veut tester avec nous. Ouais. C'est parti. Je sais qu'il va, il va bégayer un peu. Hein. Voilà, je vous filmerai un peu la séance. Et puis voilà, c'est parti. Je vous filme à la fin de la séance pour voir comment on est. Bon, ça y est, la séance, elle est terminée. Là t'en as pensé quoi? C'était dur. Ah c'était dur. Un peu plus facile qu'hier quand même parce que les jambes c'est vraiment horrible parce que vraiment c'est horrible. Mais là il y avait à chaque circuit training en fait il y avait des pompes. Du coup c'était vraiment intense et horrible. On avait mal au pec et tout. On a un peu les pecs congestionnés. Franchement stylé mais je sens qu'à la fin on va être vraiment bien sec. On se revoit demain pour la troisième séance. Ok la team, séance 4, oh allez, coupe de cheveux. Là il est dur parce qu'avant nous on va à la salle et après on fait
le Wolf. Bernard, t'es chaud ou quoi? Bernard, t'es chaud ou quoi? En plus, avant, on a fait les épaules, les pecs. Nous, on fait la séance avant, comme je l'ai dit. Voilà, mais c'est dur. Là, j'ai pris un petit booster avant de faire Wolf parce que là, vraiment, ça allait pas. Je préfère faire ça et me donner à fond plutôt que de le faire et de pas aller à fond. Voilà. Donc, c'est parti. Et je vais arrêter à partir de là. On se reprend à l'entraînement numéro 10 parce que là, je vais pas faire ça tous les jours. Sinon, ça va être trop nuant. Tiens, il va tout dans les pommes. Ça va ou quoi? Qu'est-ce que t'as? J'avoue, t'es blanc. il est mort, Bernard. Ah putain, Wolf, que du sale. Ok, la team. Là. Même avec Wolf, on sort quand même manger. On mange propre, on lâche rien. Et on s'entraîne. Première semaine terminée. Ok, la team. Donc là, pour les glucides, du quinoa. Là, du poulet. Et bien sûr, là, ici, du poulet pané aux céréales. J'ai réussi à le dire au bout de deux reprises. Parce que des céréales panées. Ok, la team, j'espère vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est lundi. Donc ça fait moins d'une semaine qu'on fait Wolf. Parce que nous, on a commencé un mardi. Parce qu'avant, on était à Amsterdam. J'espère que vous avez vu le vlog et le Backfit Challenge 2. Si vous n'avez pas encore vu, cliquez ici. Et donc, du coup, voilà. Donc un petit débrief sur Wolf. Honnêtement, au début, j'ai détesté Alex et PJ. Mais maintenant, franchement, quand je le fais, j'apprécie. Je me donne vraiment à fond. Niveau cardio, je suis grave amélioré, du coup j'ai une bonne performance. Du coup, pendant l'entraînement, je tiens et franchement, ça me fait plaisir d'avoir mal et tout. Je suis content, honnêtement, je pensais pas être comme ça, j'aurais jamais pensé être comme ça dans ma vie. Parce qu'avant, ma sèche, ce que je faisais, c'est que je réduisais ma bouffe à fond et je faisais pas de sport, pas de cardio. Honnêtement, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Là, j'ai l'impression de manger normalement, franchement. Je me restreins un peu, mais honnêtement, ça passe. Honnêtement, ça passe. Hier soir, j'étais au restaurant, vous avez vu le plat. Bon, c'était pas super méga propre, mais franchement, ça allait. Et j'ai pas fait aucun cheat meal ce week-end par rapport à d'habitude. Parce que franchement, tous ceux qui veulent pas du poids, absolument faire Wolf, c'est une idée en or, vraiment. Vous faites du sport en vous amusant, parce qu'il y a Alex et PJ qui vous motivent, ils sont drôles, ils font les cours et tout. Voilà, donc honnêtement, il faut absolument faire Wolf. Et je pense que moi, du coup, là, il me reste. Donc là, je suis à la moitié de la moitié, donc il me reste 3 semaines. Honnêtement, ça me fait pas peur, je suis encore motivé. Et plus les semaines vont arriver, plus ça va être compliqué, mais ça me fait pas peur. Honnêtement, Wolf, c'est super bien. Voilà, donc là c'est parti, je vais taper mon petit déjeuner. Après on va aller à la salle et après on va faire Wolf. Aujourd'hui c'est lundi, donc normalement c'est dimanche pour le programme quand ils l'ont tourné. Donc aujourd'hui la séance va être un peu plus facile. Voilà la team. Salut la team, alors là je suis en train de checker les nouvelles sur Workbody. On a déjà pris 100 abonnés ce soir, 100 abonnés grâce à Bodytime. Si vous n'avez pas encore vu leur vidéo, allez voir ici. Super bonne vidéo, merci à Bodytime, on m'a fait que du sale. Voilà. Ok la team, donc là moi c'était le deuxième entraînement. Donc de la deuxième semaine, honnêtement c'est dur. Aujourd'hui en plus j'ai fait beaucoup de sport, j'étais sur Paris avec Vlad. On a fait des petits backflip challenge comme ça pour aller nous ajouter sur Instagram. Voilà, enfin Instagram exprès pour vous faire rire et tout, voilà. Donc rien à voir avec la chaîne YouTube. Et donc voilà, donc là je commence à bien sécher. Voilà, le programme est génial. Niveau diète, donc là ça a rajouté un tour de plus et 10 secondes de moins au temps de récup. Et la diète, ça a diminué les glucides. Et voilà, donc là je suis pressé d'être ce week-end parce qu'au moins quand je serai ce week-end là, je me dirai que j'aurais fait la moitié déjà. Ok, donc ça c'est un bon point, j'aurais fait la moitié ce week-end, je suis content. Et honnêtement, je suis pressé du cheat meal et honnêtement la bouffe me manque, mais pas tant que ça parce que ça me fait vraiment du bien. Je me sens vraiment, c'est la première fois de ma vie que je me sens autant bien dans mon corps. Parce que là je fais à la base, je fais muscu cardio, donc je fais beaucoup de séances, je fais 14 séances de sport par semaine, donc 14 heures. Et franchement ça fait grave du bien, je me sens athlétique, je me sens super bien. Et voilà, pour les saltos arrière aussi ça m'aide franchement d'avoir séché. Ok la team, donc j'avais dit qu'on reparlerait pour la troisième semaine ou vers la fin je crois. Donc là ce que je vous explique, ce que je vois comme sentiment, je sens vraiment que je suis en manque de glucides. Là je me sens super faible depuis deux jours, je sais pas ce que j'ai, je me sens faible depuis hier. C'est atroce. Après on a voulu faire un petit photoshoot vite fait et finalement j'ai fait des photos que j'ai détestées. Je me sentais pas sec, je me suis dit putain. En même temps ça fait presque deux semaines que je le fais. Je sais pas, j'ai détesté, allez je vous montre la photo ici. J'ai la trouve dégueulasse. Après j'en ai fait une autre chez moi, ici sur mon balcon, parce que vraiment je me suis dit il y a un problème. Donc voilà, donc c'est déjà un peu mieux. Mais honnêtement voilà, je me dis que c'est super dur et au final je sèche, mais bon, j'ai pas encore le résultat que je veux, c'est normal, je suis pas encore atteint aux 4 semaines, enfin aux 28 jours. Et voilà, mais je vais rien lâcher, ça va être dur. Parce que là je dois aller à la salle et après direct après la salle je dois faire Wolf, c'est dur. Mais écoutez, je vais rien lâcher, je vous le promets. Je vais continuer et puis j'espère qu'à la fin j'aurai des bons résultats. Donc je pense que je vais faire, c'est que là pendant un mois je vais faire que Wolf et Train With Me. Et après le mois prochain, avant l'été justement, avant le mois d'août, là où je pars, je vais continuer Wolf, hein, je vais le faire juste 3 fois par semaine.
on va se calmer. Hein. Je vais manger, je me ferai mon cheat meal une fois par semaine comme avant. Et je ferai un peu plus de cardio si je vois que je prends un peu plus. Je vais rester, je sais que je vais avoir le ventre plat, je vais être bien. Et je pense que du coup, je travaillerai à fond les abdos en volume. Voilà. Et voilà. Et donc, du coup, je pense que j'aurai un bon corps. Mais là, honnêtement, je suis pas satisfait à 100%. Parce que faites gaffe, la lumière artificielle est vraiment traite. Moi, je sais que quand je m'en prends en lumière artificielle, donc en ce moment, regardez, je vous montre comment ça donne. Vraiment, on dirait que je suis tracé, je suis sec à la mort. Sauf que je suis sec, mais c'est pas encore ce que je veux. Ok. Dans tes yeux. Pense ça. Les mesdames ne veulent pas savoir comment je manie mon art comme un chaman. Ne me dérange pas pendant le processus, car faire du bon rap est ma procédure. Je manie les mots et je ne m'arrête pas, c'est la procédure, poteau. Je dépasse le monde du son, je surpasse les rafales. Je sais pas qui sont les bons, je repasse si j'avale la liqueur qui me tient debout. Tout le monde se sépare, on peut pas joindre les bouts. On est fort, on est là et on reste car on aime les coups. Moi et ton petit, je fume et tchac. Ah, la team, c'était le pire entraînement de Wolf. Je vais pas vous mentir, c'est dégueulasse à dire, mais j'ai un peu vomi. Je suis mort, j'ai mal à la tête, j'en peux plus. En même temps, avec 14 séances par semaine, donc 2 séances par jour, c'est horrible, j'en peux plus. Là, j'ai la tête en. J'arrive même plus à dormir à cause de cette. Ok, donc la 12e entraînement de Wolf. Donc là, je commence vraiment à bien sécher. Je vais vous mettre une petite photo que je viens de faire. Je suis assez fier. Écoutez, c'est dur. Là, en plus, que j'avais pas dormi la nuit dernière. Du coup, donc j'étais sur Paris, j'ai fait une grosse journée. Et du coup, j'ai dû tout à l'heure en rentrant dormir 1h30 et après, enfin, le Wolf. Un conseil, ne faites jamais de sieste avant Wolf. J'étais pas bien, j'étais pas bien. Puis j'avais faim quand je me suis levé. Horrible, ne faites jamais ça. Avec que du sale, on lâche rien. On est à la moitié de Wolf. Vlad, voilà, Vlad m'a saoulé, il en peut plus. Du coup, là, désolé la team, mais j'en peux plus. Je vais me faire un petit plaisir, un petit McDo. Voilà. Vas-y, gros, tu veux quoi comme menu, toi? Vas-y, ok. T'es sûr, hein? Donc faut se faire plaisir. Voilà, donc là je vais au McDo. Désolé la team. Non, je rigole, simplement en fait, je vais juste déposer un CV pour la chaîne YouTube. Ok, donc là je suis en train de me préparer mon petit repas pour ce soir. Donc là c'est le dernier repas parce que moi j'étais en light. Pourquoi pas en original par rapport à Wolf? Si vous comprenez pas, il y a plusieurs étapes. Pour ceux qui veulent perdre 1 à 2 kilos, c'est light. Et 4 à plusieurs, je crois, c'était original et après il y a vegan. Au début, j'étais parti sur un original, sauf que comme j'ai des concours à préparer à la fin de l'année, là, donc là en juin, du coup, Alex m'a dit de faire light. Donc, ok, j'ai fait light. Et là, le light ce soir, c'est le dernier repas avec des glucides. Après le soir, ça passera sans glucides. Donc voilà. Donc, pourquoi je vous fais une petite vidéo là? C'est que je suis encore, donc comme j'ai dit, je suis à la moitié de Wolf. Je fais plusieurs vidéos en ce moment. Je vais me calmer. Et du coup, là, je vais faire en fait avec Vlad, mon pote. Donc, vous connaissez sur la chaîne YouTube aussi avec moi. On va aller d'ici, je vais vous montrer le petit itinéraire, d'ici au Trocadéro en vélo. Donc voilà, on sèche, ça me faire perdre un peu plus de calories, c'est parfait pour ça. Et puis voilà, on se retrouve directement au Trocadéro. C'est ça ce qu'on avait avec Warbody la team, on est toujours des terres quoi qu'il arrive. Que du sale. Je lui ai dit tout à l'heure, viens voir au Trocadéro en vélo, il m'a dit vas-y. En mode comme si je lui dis viens m'acheter une baguette. Ok la team, donc là on est arrivé au Trocadéro, ça y est. Donc n'oubliez pas, sortez de vos zones de confort, là je suis en sèche. Je fais Wolf, c'est dur, je fais la moitié de la semaine. Mais on garde comment ça s'appelle, on garde espoir et puis on lâche rien. Et merci. Au final en fait là on a la 3e semaine. Et au final il y a toujours 10 circuits. Sauf qu'il y a moins de temps, il y a moins de temps de récup. Voilà. Hello Bernard. Regardez comment il a bien séché. Je vous mettrai sa transfo aussi. Là ça commence à bien sécher là. C'est lourd. Ok la team, donc là on est mardi 6 juin. Donc il nous reste moins de 2 semaines. Comme vous savez, ceux qui me connaissent, je mets des lentilles de contact, sinon des lunettes et plus des lentilles. Donc là, j'en avais plus, j'en ai recommandé. Donc voilà. Problème. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça dans le vlog de Wolf. Gros problème. Regardez, j'ouvre la boîte. Turn down for what? Et dedans, ils m'ont offert un paquet de bonbons. Comment je dois réagir? S'il vous plaît, aidez-moi, dites-moi dans les commentaires. Comment je dois réagir? C'est un truc de ouf. Parce que, à savoir aussi, les bonbons, c'est mon truc préféré. Genre, au-dessus de tous les burgers, au-dessus de tous les chocolats, tout. Là, les bonbons, c'est mon truc favori. J'adore ça. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. On le mangera pas. On tient. Et c'est bientôt la fin. Wolf, c'est parti!
Allez, troisième semaine, que du sale. On va partir sur le premier. Bon bah ça y est, j'ai fini de manger. Les glucides, s'il te plaît. Quoi? Ah, mon repas est fini, il n'y a plus de glucides là. On mange propre la team. Même si on sort. Ok la team, on a fini la troisième semaine avec Bernard. Là, on était au flunch parce que parmi du fruit, il n'y avait plus de poulet. Et du coup, on a fait un petit flunch, un poulet rôti. On a mis un peu de glucides ce soir, comme on est dimanche, et que demain, on commence la semaine sans glucides. Enfin, lui, il est déjà sans glucides, mais moi, demain, ça reste sans glucides à partir de demain. Voilà, donc il reste plus qu'une semaine, et puis voilà. Je suis sûr qu'il fait... Attends, qu'est-ce que tu fais, maman, là? Je pèse la pastèque. Pourquoi? Parce que quand je l'ai acheté, ils m'ont dit qu'elle faisait 7 kilos. Il y avait combien, là? Et bah ben là, elle fait même pas 4 kilos, plus de rouler dans la farine. Oh là là, putain, mais faut porter plainte là, faut faire quelque chose. Non mais je gueule, hein, je vais les voir, je vais leur dire. Mais putain, elle est complètement... Ouais. Maman, oublie pas, hein, on fait que du sale. Là, je commence à bien sécher encore, j'ai bien séché. Là, ça va être une semaine sans glucides et à la fin, bien sûr, je vais couper l'eau. Je vais faire comme si j'allais aller sur un podium. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire un beau photoshoot, que ça rentre bien, du coup d'être le plus sec possible que j'ai jamais été. Donc du coup je vais arrêter l'eau, je vais arrêter le sel. Et voilà, donc je vous expliquerai comment ça marche. Je me suis un peu renseigné et puis voilà. Voilà. Oui bon, ça reste entre nous ce que je vous ai demandé, hein. Je te déteste. Maman, tu joues à quoi là? Maman? Non mais t'es sérieuse là? Non, on n'habite pas à Paris 16ème. Bon Bernard, les œufs c'est 65 centimes. On attend la caisse. Voilà, team. Bon appétit. La team, n'oublie pas, à chaque début de repas, le petit shot d'huile d'olive pour les bons lipides. Bon la team, ça va refaire plaisir un peu. Hein. Bah non, tu vois ce qui s'est passé ce matin avec la directrice? Eh bah non, vous êtes tous cru, hein. C'est mort. Ok, la team, donc là c'est bientôt la fin du Wolf. Du coup, on pioche un papier au hasard. Enfin, on va piper un papier qui se savoir. Quel cheat meal on va manger? Voilà, parce que c'est bientôt la fin. Vas-y. Mardi, ça va nous attend. Vas-y. Celui qui perd, il pioche pas. Ok, bah c'est toi qui pioche. Vas-y. Fais gaffe, j'ai la pression. Fais gaffe ce que tu choisis. Il y a un papier, c'est full, ça veut dire on va devoir rassembler tous les cheat meals en même temps. Ouf là, j'ai failli perdre le sacré papier. Quoi? McDo. Ok. Bon, ça sera avec plaisir. On se retrouve au McDo. Ok la team, donc là il me reste plus que seulement deux entraînements Wolf. Je tenais à arrêter le vlog maintenant. Je vous laisserai bien sûr sur les transformations. Et honnêtement, je vais vous parler de Wolf. Je suis vraiment fier de ce programme. Vraiment merci Alex et PG d'avoir fait ce programme là. Amusant, vous allez bien rigoler si vous les aimez bien. Vous allez vous déchirer, vous allez donner à fond, ils sont toujours là à vous motiver. Honnêtement, c'est la première fois de toute ma vie que je me sens aussi bien dans mon corps. Vraiment, en un mois, ça m'a vraiment transformé. Pas seulement physiquement, mais vraiment mentalement. Même l'alimentation, j'ai réussi à manger plus de trucs, à goûter plus de trucs parce que moi je suis difficile. Honnêtement, c'est une super bonne expérience. Je vous mets au défi de le faire. Ça fait du bien. Honnêtement, le seul truc qui pourrait vous bloquer, c'est vous. Parce que le matin, quand vous vous levez, la seule personne qui peut vous dire que vous ne pouvez pas le faire, c'est vous et vous-même et pas les autres. Ok la team, maintenant je vous laisse avec ma transfo au final. J'ai perdu en tout 6 kilos. À 15 ans j'en baisais déjà vers Malaga. Comme si j'avais pété le chrono. Encore un lias, encore du sang, encore un délit. Je peux pas m'arrêter là, j'y pense depuis peu de temps. On vient te chercher directement chez ta type. C'est pas ton vagin qui nous rendra locaux. Jamais. À 15 ans j'en baisais déjà vers Malaga. Comme si j'avais pété le gros lot. J'oublie
pas le coton, j'oublie pas les colons. J'oublie pas que ça recalait. 64 millions de vues plus tard, ces bâtards ils aimeraient nous coller. Ils ont du culot, on a des principes, on a des valeurs. Manger ta tupère, hey, c'est pas ton vagin qui nous rendra locaux. À 15 ans j'en baisais déjà vers Malaga, comme si j'avais pété le... Poteau fais vite, envoie le beat, je mets le fire. Toujours en voyage, décollage, j'esquive la pâleur. Je vais pas m'excuser, homme de succès, homme de valeur. Et je lâcherai rien, c'est tous des chiens dans ce game d'aboyer. J'ai jamais joué le gang, dans la shop où je veux la brain. Il pleut des billes, purple rain, appelle-moi Prince. De tout niquer, j'en suis.